to have an instrument that's flexible for these purposes? You try. You find your way. No one can assure you where you've been successful and where you haven't. You never really know that. But that's what the job is. On entre dans l'exposition, l'introduction montre l'engagement de Dorothée Allange quand une période charnière en fait dans son travail en 1932-1934 où en fait elle va commencer à faire des photographies par elle-même sans commande du tout. Most complimentary thing in my opinion that anyone could ever say to you is I saw something today that you would have liked. Then you know you've reached him. C'est quelqu'un, Dorothée Allange, qui apporte beaucoup d'attention à l'humain, notamment aux femmes, aux enfants, et aussi elle est parmi les photographes, comme Walker Evans par exemple, qui tenait à photographier les Afro-Américains vivant dans les États plutôt pauvres, les États au sud des États-Unis, comme par exemple le Mississippi ou Alabama. This is the way it is. Look at it. Look at it. On constate effectivement de l'engagement de Dorothée Allange dans la manière qu'elle a de cadrer ses sujets. Ce sont des cadrages où elle va parfois s'attarder sur des morceaux de corps, sur des dos, sur des pieds, les mains ou la gestuelle. C'est très typique ça de la pratique photographique de l'ange. Alors on a une première série sur la Grande Dépression, une deuxième série sur l'immigration interne aux États-Unis où en fait il s'agit de populations blanches américaines qui bougent d'un état à un autre. Ces microfiches nous apprennent beaucoup sur sa manière de photographier. On voit que, par exemple, contrairement à d'autres photographes, elle fait plusieurs prises de vue d'une même scène. Elle cherche l'angle d'attaque, elle cherche l'angle de prise de vue le meilleur pour mettre en valeur ce qu'elle veut photographier. Those materials, I want to extract. The things that are the items that are, in a sense, I don't know, sublimations is the word that comes to my mind. Give me another. An essence of a situation. Elle va faire des portraits, bien sûr, parce que c'est son sujet de prédilection. Mais elle va aussi photographier des situations, elle va faire des paysages, elle va photographier des habitats, beaucoup, donc des lieux de vie. Mais il faut savoir aussi qu'en parallèle, elle va développer effectivement cette pratique de l'écriture qui lui sert pour témoigner en fait de la vie des personnes qu'elle photographie. Donc elle va rentrer en contact avec ces personnes de plus en plus. À partir de 1935 jusqu'à la fin des années 30, elle va développer en fait une pratique de l'entretien quasiment. Hein. On voit dans l'exposition qu'elle poursuit cette pratique quand elle photographie par exemple les camps d'internement des Américains d'origine japonaise où elle s'entretient aussi malgré le fait qu'on ne souhaitait pas qu'elle se rapproche des sujets dans cette situation et elle s'entretient quand même avec les personnes qu'elle photographie, notant l'essentiel de leur situation. The importance of visual evidence is the germ of the project. No. It isn't to collect more photographs. There are many photographs made. We have picture magazines, we have many uses. But actually, the world is not being photographed.
at all because it's only the spectacular, the sharp, and maybe often the bizarre episode. Avec cette exposition, il y a certainement un revival de l'intérêt qu'on peut porter à l'œuvre de Dorothée Allange. Les séries photographiques montrées résonnent avec l'actualité. This new photographer is a different breed. He expresses his responsibility is to the outside world. His alliance is very great with it. But as a byproduct, if he does it very well indeed, he creates a work of art, but he never knew it.